Eh ben bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7, samedi 7. La vidéo, elle va partir directement. Donc, j'ai vu, hier j'ai acheté dans mes brocantes favoris, dans des endroits, une paire de jumelles, je sais pas pourquoi. 10 balles, elles sont vieilles, hein. Mais ça va, elles marchent. J'ai acheté ces jumelles et en fait, en me réveillant ce matin, j'ai vu qu'il y avait, c'était les 30 ans de Passe-moi les jumelles. Donc, interaction. Après, je suis obligé de faire quelque chose. Donc voilà. Donc, allez voir l'émission Passe-moi les jumelles, 30 ans sur YouTube. Au moins les 15 premières minutes. Après, si vous voulez aller jusqu'au bout, allez au bout. Voilà. À la fin. Je zoomerai après celui qui restera au bout, parce que des fois les gens, il y en a qui restent 2 minutes, 3 minutes. Voilà. Donc, et mes petits mots, ça me rappelle 3 ans en arrière quand j'avais mes papiers comme ça, ceux qui connaissaient à l'époque, le fameux taco. Donc, voilà. C'est marrant parce que il y a les 3 singes, vous les avez vus, mais je m'entends pas parler avec ça. Donc voilà. Parce que là, c'est bizarre quand tu t'entends pas. Voilà, donc dans Paju, Passe-moi les jumelles, 30 ans. Allez voir ça sur YouTube. Passe-moi les jumelles, les 30 ans. Voilà, donc c'est des journalistes, c'est la Suisse télévision suisse romande. C'est 30 ans, il y a dû y avoir au moins 4 présentateurs au bout de 30 ans. C'est pas facile de faire les... On entend le coq, c'est beau. Hein? Comme en Suisse. On n'est pas en Suisse, hein, mais j'aimerais bien être en Suisse. Avec la montagne, c'est tellement beau. Voilà. Donc, le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. Ça, c'était un monsieur qui a dit ça dans l'émission là, sur les 30 ans de Passe-moi les jumelles. Le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. Et je voulais faire aussi une dédicace, parce que nous, les Français, si on voit les Suisses, on dit non, il y a des belles émissions. Je passe aussi le bonjour à Marie-Charlotte et à Florence l'infirmière, car c'est Vigimédia aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est important. C'est vrai que les médias, nous, on est un peu on est déçus, le public. Mais il y a quand même quelques... Il y a eu des journalistes, même en France. Souvenez-vous, Georges Bernaud, Thalassa, il est décédé en 2015. Et ça, c'était aussi un monsieur qui avait du cœur. Il est mort à 73 ans. Georges Bernaud de Thalassa, sur France 3, tous les vendredis soirs. On attendait ce truc-là. Ça fait... il était humain, ce monsieur-là. Voilà. Donc nous aussi, on était un peu comme les Suisses. Maintenant, les Suisses, ils ont ça, les Passe-moi les jumelles. Ben, c'est aux jeunes de faire des choses. Hein. À un moment, il faut savoir s'arrêter, comme on dit. Et place aux jeunes, parce qu'il y en a qui ne savent pas s'arrêter. Voilà, donc voilà. Et après, je vais vous zoomer sur ce que je regardais au bout là-bas. Je ne sais pas si vous le verrez, mais moi, je ne peux pas dire plus. Donc, regardez cette émission. Et puis le titre interdit au public, c'est dedans aussi, dans Passe-moi les jumelles. Vous allez voir des souterrains, vous allez voir sous la montagne. Et ça, moi, on ne peut pas tout dire. Voilà, donc à tout bientôt. Moi, cet après-midi, c'est la manif. Et tu fais une pause, Valérie, parce qu'en fait, on va essayer de zoomer là-bas au fond, ce que je regardais. Voilà. Eh ben, bon anniversaire. Passe-moi les jumelles, Paju, passe-moi les jumelles. Et ça, c'est important. Et on est tous des passeurs de jumelles. Voilà, merci à tous. Voilà, la boule de Noël, la boule de neige. Voilà. Donc, toujours les avions pour partir en Suisse. Allez voir, passe-moi les jumelles.
télévision suisse romande. Et big up à monsieur Georges Pernoud. Il nous avait fait du bien à l'époque. Donc, nous les Français, on n'est pas non plus des moins que rien. Mais tout le monde s'est barré en sucette. Donc, et merci les Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes aussi, bah, ils ont fait du bien. Croyez-moi, on a fait du bien à tout le monde. Voilà. Allez, et ben, à tout bientôt. Attends, on va faire. Allez. 30 ans, ça se fête.